Je sais pas si c'est une bonne idée, je le sens pas, Davy. Mais si, ma psy m'a dit que c'était bien pour nous, c'était des réunions pour des gens comme nous. Bonjour à tous, je suis Grégoire, qui est sur le badge. Bonjour Grégoire. Je suis l'animateur de ce cercle de parole, réservé aux malades de l'audiovisuel. Là, je me suis dit que le son de sa voix était pas calé sur sa bouche. Ah non, mais en fait, c'est parce qu'il a la pince synchro. Et nous allons tout de suite commencer par le premier témoignage, celui de David. Bonjour. Je m'appelle David. Bonjour David. Bonjour David. Si ça ne vous dérange pas, Grégoire, j'aimerais commencer par une petite pensée pour mon frère, qui n'a pas pu venir ce soir. Il est coupé au montage depuis l'âge de 6 ans. Voilà. Donc on ne sait pas où il est. Voilà, une petite dédicace s'imposait. Stéphane, si tu m'entends. Donc, comme vous avez pu le constater, je suis atteint de la maladie du faux raccord. Ce qui est un véritable handicap, puisque quand on s'habille classe pour un prime, on peut se retrouver en Marcel. On se retrouve en calbut quand on fait du ski, et puis souvent ça veut rien dire. J'ai un truc sur la tête. Ouais, voilà. Merci de... Ah, vous êtes là? Ben ouais, je... Vito, c'est difficile pour toi? Oui. À l'aéroport, les douaniers me reconnaissent plus sur la photo de mon passeport. Et puis le pire, c'est que je vois plus rien à cause de ce truc. J'en ai marre. J'en ai marre de voir tous les jours des gens de la télé venir ici parce qu'ils ont attrapé une maladie. J'en ai marre de voir que les patrons nous envoient au casse-pipe sans nous prévenir des risques. Nous, on y va pour notre pays. Et on revient, on a quoi? Hein? On est rejeté par la société. Et on meurt à petit feu. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine? Toi, Poulpe, depuis que t'es revenu de ton émission de cuisine, est-ce que tu perçois une pension pour ta maladie de la jump cut? Bah non. Toi, Davy, tu l'as attrapé au Vietnam? Ouais, une interview piégée. C'est intolérable. Enfin, le pire, c'est Erwan. Absolument. Erwan a attrapé la cliffhanger. Tu peux nous expliquer comment tu vis avec? Bonjour, je m'appelle Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour, Erwan. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, je suis dans une pièce, je suis bien, je suis là, et... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, mais c'est agaçant, ouais.